C'est pas mal ce petit crocodile là. Ben non. Je pensais narguer les Nîmois. Hop. Je m'en mange un. Et vous nargue. Eh ben non. Je ne peux pas. À cause de qui? De Saint-Étienne ou de Nîmes? Parce qu'ils ont bien joué. Eh ben, j'en parle. Donc, on perd pas. Mais surtout, on ne gagne pas. Avant le match, on fait les comptes. Saint-Étienne, moins 3 points. Fin du match, Saint-Étienne, moins 2 points. Est-ce qu'un jour, en Ligue 2, on va réussir à être dans le positif? Dans tous les sens du terme. Hein. Que ce soit mathématiquement ou en parlant de santé. Tu rencontres un supporter stéphanois, tu vas dans le chaudron, il te fait rien, ça te fait pas peur, frérot. Tu vas dans quelques années en arrière, t'es comme ça, quand tu vas dans le chaudron, t'as peur, c'est une atmosphère vivante, mais non, il n'y a plus rien. Mais le club n'est pas mort, c'est pas pourtant qu'il est mort, les amis, le club. Bon, on va commencer par commencement. Comme d'habitude, l'AF Saint-Etienne, dans ses œuvres, tu vas être dans un musée, concède le score. Alors, si vous voulez être millionnaire, pour ceux qui jouent au Paris Sportif, c'est Saint-Etienne. Enfin, Saint-Etienne se prend un but. Vous misez votre daronne, 1200 euros, 2000 euros, 3000 euros. Ah, vous êtes sûr de gagner. Hein. Et non, bien sûr, c'est pas ce que j'ai fait. Je vous rassure. Je ne mets pas autant contre mon propre club. Bon, c'est pas tout, mais c'est qu'il y a des joueurs. Un joueur en particulier sur ce match-là qui a fait un bon match pour moi. Il vient décrocher. Il vient participer au jeu quand il voit qu'il n'y a pas de solution. Voilà, les ballons qu'il a donnés, parce qu'il a tiré les corners. Monsieur, bien sûr, tu vois de qui je parle. Monsieur Aouchiche, bien sûr. Adil Aouchiche, certes, contre Dijon. Dernier coup franc, c'était de la merde. Tout le monde a parlé sur dans les commentaires dans mon débrief. Vous inquiétez pas. Je vais lire tous vos commentaires. Et merci d'ailleurs au passage, voilà, toutes les personnes qui regardent mon live, qui commentent, qui likent, et à ceux, voilà, surtout ceux qui s'abonnent. Merci à vous de faire vivre ma chaîne. Et bah, j'espère que ma chaîne vous plaira. Si t'es en train de... Si t'es nouveau, tu viens de m'écouter, reste-y, ça peut peut-être t'intéresser. Voilà, c'est une invitation. Bien sûr, j'oblige personne à m'écouter. Si ça ne t'intéresse pas, voilà, bah, tu peux partir. Il n'y a pas de souci, mon ami. Donc, Aouchiche qui sort. J'ai pas très bien compris, puisqu'il a fait plutôt un bon match, comme je le disais. On a bien sûr bon, Jean-Philippe Crasso, certes, il a marqué. Contre Dijon, il était très intéressant. Contre Nîmes, je l'ai trouvé moins bon. Pour ma part, je l'aurais fait sortir comme c'était prévu. Mais non, il a fallu qu'on change d'idée et que mon Aouchiche sorte. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais voilà, c'est dommage parce que je pense que bah, il aurait pu apporter quelque chose de plus en seconde période. Certes, il a joué que 10 minutes, mais il aurait pu apporter quelque chose de plus. C'est vrai que le petit Maxence Rivera qui a remplacé Aouchiche, lui il a fait une très bonne rentrée. Et l'équipe a, j'ai trouvé, sur la seconde période, a eu plus de maîtrise. Alors certes, en termes d'occasion, bah, c'est pas flamboyant. On n'a pas vraiment été dangereux, à part la frappe de Giroudot. Dommage que le gardien Nîmois fait une belle parade. Je t'aurais pu la laisser au fond, bah, je t'aurais donné un petit crocodile. Ils sont super bons en plus. Je peux même pas me narguer les Nîmois. Je peux pas les narguer les Nîmois. Qu'est-ce que c'est bon les crocodiles. Je peux pas, putain. Et bien sûr que je suis pas content du résultat. Je m'en fous. Un point. Peut-être pour certains, c'est bien. Ça aurait pu être pire. Ouais. Mais quand t'as moins 3 points, c'est 3 points, 3 points le plus vite possible. Et qu'on soit vite à 0 point parce que la saison va être longue. Prochain match Saint-Etienne. Quevilly-Rouen. Oh là là. Quevilly-Rouen. Oh là là là. Rien que dire ça, ça me fait rêver. Et bientôt, on va aller à Annecy. Oh, Amiens. Ouh, lolololol. Pau. Bastia. Les équipes. Alors, certes. Non, mais je vois venir, bien sûr. J'en rigole, mais je sais qu'au fond, je suis dans mon froc. Genre, Quevilly-Rouen, je sais très bien. Est-ce qu'on va réussir à marquer un but à Quevilly-Rouen? C'est comme vous, sincèrement. Qu'est-ce que joue Saint-Étienne en Ligue 2 aujourd'hui? Je ne sais pas. J'espère la montée en Ligue 1. Mais, bien sûr que non. Est-ce qu'on joue le maintien? Est-ce qu'on joue milieu de tableau? En fait, Bordeaux, c'est comme Saint-Etienne. On ne sait pas, en fait.
On ne sait rien. Est-ce qu'on va aller en Ligue 1 l'année prochaine? Je ne pense pas. Mais il ne faut jamais dire jamais. Bon, on a Youssouf et Dini Bouenga qui sont partis. Une grande majorité des supporters stéphanois, je pense, voilà, apprécient leur départ. Maintenant, ce qu'on attend, Monsieur Perrin, Monsieur Batles, ben, c'est un attaquant. Parce que toute la saison avec Crasso, mais non merci, c'est que j'ai pas envie que mon cœur y souffre. J'ai pas envie de mourir surtout. J'ai pas envie de faire de crise cardiaque. Donc s'il vous plaît, achetez un attaquant. Ou sinon, vendez le club. Ah, ça serait encore mieux. Mais le club, la vente du club, ça fait 4 ans que j'y attends. Et ça fait 4 ans où je vais me foutre par terre et où je l'ai dans le cul. Donc voilà, on n'y croit plus du tout. Mais c'est comme ça, que voulez-vous? C'est comme ça. Je sais pas si je l'ai dit, mais encore merci à tous ceux qui me donnent de la force, vous. Parce que si ma chaîne YouTube, ça marche, c'est pas grâce à moi, c'est surtout grâce à vous. C'est vous qui rendez mon contenu agréable, c'est vous qui vous abonnez, c'est vous qui commentez, c'est vous qui likez, c'est vous les boss, c'est vous El Maestro. Et moi, je vous aime, les amis. Je vous aime sincèrement. Bientôt. Enfin, bientôt. Vu que ça a huit clous à Saint-Étienne. Quand les supporters pourront aller à Saint-Étienne? À Geoffrey Guichard. Il y aura un débrief, bien sûr, dans le stade, dans l'une des meilleures ambiances de France, avec bien sûr Marseille, Lens et sans oublier Strasbourg. Et sans oublier la meilleure ambiance d'Europe et du monde, c'est bien sûr à Louis II, à Monaco. Non, je rigole, c'est l'ambiance de merde là-bas. Bon, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Il y a eu du moins bon aujourd'hui, mais il y a aussi eu du positif. Je ne suis pas satisfait du match nul parce que je veux vite avoir 0 point le plus vite possible pour qu'on commence la saison. Ça fait déjà 2 matchs et la saison et les matchs, ben, ça va vite arriver. On joue lundi 20h45 contre Quevilly-Rouen. Va falloir y aller là-bas. Va falloir y aller et voilà, tous les matchs vont être compliqués. Mais voilà, le match le plus compliqué à l'extérieur, pardon, pour moi, ça va être en Corse, à Bastia. Et vraiment qu'il arrive le plus tard possible, histoire que les joueurs, s'ils y arrivent, un jour, à s'imprêter de la patte Laurent Batles. Bon, les amis, kiss you, c'était Kélianox.